Salut les internautes, on est à OMETP avec ma copine Chloé et on est sur le point de louer des vélos, là. À défaut de moto, on prend le vélo. Voilà, et on s'en va faire le tour du petit volcan ici de OMETP, partir à l'aventure sur les routes de terre. On vous emmène avec nous maintenant. C'est parti! Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette, nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien, et puis Paulette. On était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser les ailes, à bicyclette. Sur les petits chemins de terre, on a souvent vécu l'enfer. Pour ne pas mettre pied à terre devant Paulette. Faut dire qu'elle y mettait du cœur, c'était la fille du facteur. À bicyclette. Et depuis qu'elle avait 8 ans, elle avait fait en le suivant tous les chemins environnants. À bicyclette. Encore 2 km. Les vélos là, mais ça y est, c'est fini. C'était une super journée de vélo, franchement génial. Intense, hein, intense au niveau physique. Autant en marche qu'en vélo. Ouais. Et manque de bol, on a loué les vélos tout en bas du volcan, de la colline. Et nous on habite tout là-haut à 7 km. Donc voilà, on croyait que la journée était finie, mais maintenant il faut qu'on rentre chez nous. On essaye de faire du stop, mais il n'y a pas grand monde un dimanche au Nicaragua, l'île d'OMETP. Bah, on va faire ce qu'on peut.